science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais qui l'a dit, c'est Jean-François Mattei qui l'a prescrit toute sa vie. En tant que médecin, bien sûr, mais surtout en tant qu'humaniste, taraudé par les principes de morale et d'éthique. Il s'en explique, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe, Jean-François. Très bien, oui, je reconnais un certain nombre de choses. Ah, mais j'imagine bien. On va retracer votre vie à travers les photos marquantes. Hein ? Mais on va commencer par celle-là, vous avez bien raison. La douce du Lazaret. C'est moi. La douce du Lazaret, comme vous dites. Bon, écoutez, j'ai un peu changé, mais bon. J'avais en tout cas, j'embrassé la vie. Quand vous voyez, il y a quelques années maintenant, oui. Effectivement. Vous n'êtes pas né en Corse, Jean-François Mattei ? Non, je suis né à Lyon, en 43, parce que mes grands-parents paternel était enseignant à Saint-Étienne et que mon père a fait santé militaire à Lyon. Exactement, parce que le berceau de la famille. Vous avez quelque chose à dire d'ailleurs sur la photo, pas... Non, voilà. Tiens, très beau, très beau. Ça veut dire quand même que c'était la fin de la guerre et que malgré les restrictions, j'étais bien nourri. Oui, ça. Et donc, je suis reconnaissant à ceux qui s'en sont bien souciés. Parce que voilà. Ah oui. Uchepu, le berceau de la famille, c'est ici. Eh oui. Ça, c'est là. C'est quoi, ça ? Ça, c'est la maison familiale de Korcha. C'est là que le père de mon grand-père paternel, Augustin Mattei, habitait. Il avait une boutique, à la fois alimentation, bref, aujourd'hui, on dirait l'épicerie du coin. Mais il était paysan, laboureur. On trouve sur les papiers officiels « laboureur ». Et mon grand-père, qui était l'aîné, a vécu dans cette maison. Il a, je pense, et me l'a d'ailleurs confié, était souvent assis sur les marches à réfléchir. Et effectivement, une famille d'agriculteurs, de paysans, sauf que votre grand-père, oui. Jean, il a un talent. Oh, il n'en a pas qu'un. Mais en tout cas, on s'en rend... bien sûr qu'il n'en a pas qu'un. Mais quand il est à l'école, il a... Une chance, c'est qu'il a un instituteur qui détecte quelque chose, en fait. Alors, mon grand-père, le premier talent, c'est qu'il, c'est pas de sa faute, d'ailleurs, mais il n'était pas bête, loin de là. Et donc, il va à l'école primaire et il passe le certificat d'études haut la main. Et l'instituteur, vous voyez, l'école de la République, l'école de Jules Ferry, l'instituteur appelle Augustin et lui dit, voilà, écoute, petit Jean, là, il faut qu'il aille à Bastia pour préparer le bachot. Parce qu'il faut qu'il passe le bachot. Il peut passer le bachot. Alors, stupéfaction, on n'avait jamais imaginé ça. Et on trouve une tante, parce qu'il y a toujours en Corse une tante, un oncle, etc. On trouve une tante à Bastia qui accueille Jean, qui va au lycée de Bastia, et qui décroche le baccalauréat. Il revient au village, au Mouvilou, au Quantolunesa, oh mon fils, comme il en sait des choses. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et Jean dit, ben, je vais aller faire des études sur le continent. Et il arrive à la Sorbonne. Et alors là, il dit, malgré tout, je parle corse couramment, le français, je vais apprendre et devenir professeur d'italien. Et c'est ce qu'il fait, et il réussit. Et il apprend même à parler avec l'accent pointu, parce que lui, il arrive avec cet accent, justement. Il ne comprend pas bien. Et quand il parle, on dit, qu'est-ce que c'est ? Non, mais ça, moi, c'est une aventure extraordinaire. Surtout qu'on est dans les années 11, 12, 13. Exactement, et en 14, il y a la guerre, d'ailleurs. En 14, il y a la guerre. Il va faire la guerre. Il a été agent de liaison, qui était alors très dangereux. Exactement, il a fait Verdun, etc. Il va finir la guerre, mais surtout, et vous allez vous retourner, on va le retrouver là, votre grand-père. Parce qu'il y a la grande histoire de sa vie. Votre grand-père, ici, il est à Lyon. Oui, oui. Et la grande histoire de sa vie, c'est Laure. C'est Laure, qui est sa cousine issue de Germaine. Qu'il rencontre. Et ils se sont connus là. Exactement. Ils se sont connus dans cette maison. Et elle était sa cousine Germaine. Elle était jolie. Et lui n'était pas un Apollon. Piccolo. Et il était petit, on l'appelait Piccolo. On lui a dit, mais c'est pas la peine que tu espères Laure, elle n'est pas faite pour toi, elle est beaucoup trop belle pour toi. Mais l'amour se fait à deux, et Laure a aimé Jean parce qu'il était bon, parce qu'il était gentil, parce qu'il était pétri de qualités humaines, et on parlait tout à l'heure de son intelligence cérébrale, il avait l'intelligence du cœur.
Et donc, ils vont faire leur vie, eux, entre Saint-Étienne, à Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon. Et à votre... Saint-Étienne, pourquoi ? Parce que le père de Laure était receveur des postes à Saint-Étienne. Et Corse aussi, hein, bien sûr. Là, bien sûr, bien sûr. Et là, on va en arriver à votre père, François. François. Alors, François avait fait santé militaire à Lyon. Il avait permuté avec un navalet de Bordeaux, après, pour être dans l'infanterie de marine. Et donc, nous avons eu une vie un peu mouvementée dans les 8 premières années de ma vie avec mon père, parce qu'après, malheureusement, mes parents se sont séparés. Mais j'ai vécu à Port-Villa, là, le Vanuatu actuel. Il était le seul médecin de tout l'archipel, et donc il a été obligé d'opérer. Et c'est là qu'est né, je crois, son goût de la chirurgie. On va revenir sur son goût de la chirurgie, mais effectivement, donc beaucoup de voyages avec le papa. Oui. Et vous avez dit, j'ai mis cette photo avec votre mère. Votre mère qui n'est pas corse, qui est bretonne. Elle est bretonne. Ils se sont connus sur la Côte d'Azur à Cannes. Et j'ai mis cette photo parce que, comme toute bonne bretonne, votre maman, elle est très catholique. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette photo. Ça, c'est important. Oui, parce que, bon, je suis corse et je suis breton. Mais je suis breton, ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas. Et quand je me présente, Jean-François Mattei, on me dit « Ah, vous êtes corse ». Et donc, le côté breton est plus discret, mais j'ai beaucoup d'attaches en Bretagne et j'aime beaucoup certaines traditions bretonnes. Cela dit, quand vous avez un père corse, grand-père et grand-mère corse, que vous vous appelez Mattei, ça croche à vos chaussures et vous êtes corse. Allez, un petit bond, justement. Eh bien, en Corse, il y a quelques années, parce que vous l'avez dit, vos parents se séparent. Oui. Votre père, bel homme, votre père. Très bel homme. Et il va venir refaire sa vie ici, à Ajaccio, justement. C'est là où ça devient intéressant, l'histoire. Ça devient intéressant, mais parce qu'il faut que vous sachiez que mon père, qui était aussi intelligent dans la famille, il était très intelligent. Il s'est attelé à la chirurgie, il est devenu un chirurgien brillant, militaire. C'était le moment où l'hôpital Notre-Dame de la Miséricorde à Ajaccio en 58 sortait de terre. Il a passé le concours, il est devenu chirurgien chef de service à l'hôpital d'Ajaccio. Il avait une nouvelle compagne et il partageait sa vie entre le bloc opératoire et puis la pêche. Il avait découvert la pêche, la Espérance, ça c'est son bateau. Il était avec un marin pêcheur. Il menait une vie que je ne pourrais pas mener. Il se levait à 3 heures du matin, il allait lever les filets, et puis quand il rentrait à 7 heures, il prenait une douche et il allait opérer. Ça, je dois dire qu'il avait une... Bon, j'ai une admiration pour cette résistance physique que je n'aurais pas pu avoir. Là, vous êtes encore très jeune, et on va voir ce qui va se passer justement, avec pareille génétique, comme vous le dites, pareille ascendance. Qu'est-ce qu'on peut devenir dans la vie ? C'est par là que ça va se dire. Allez. On y c'est va. Par là que ça se passe. Dans une autre pièce, t'es par là. Installez-vous. Merci. Et laissez-vous guider. C'est assez agréable de se laisser guider. Alors. On va vous retrouver où, Jean-François ? On va vous retrouver à la fac des sciences en 1961, car la première année de médecine à l'époque se passait en fac des sciences, physique, chimie, biologie et mathématiques, ce qui était un désastre pour moi. J'étais d'une inquiétude absolue, car je suis un littéraire sorti de philo-lettres. Mais alors, pourquoi vous allez faire médecine ? C'est pour faire comme papa ? Non, je voulais être médecin cow-boy quand j'avais 7 ans. Donc j'ai toujours voulu être médecin. Alors comme ça ne suffisait pas, il fallait mettre cow-boy. Mais j'ai toujours voulu être médecin. Je n'ai pas envisagé autre chose. Un petit peu de chirurgie quand même, pour faire comme papa. Alors, en tout cas, lui, il aurait bien voulu. Je savais que ça lui aurait plu. Donc quand j'ai eu des choix hospitaliers, j'ai commencé par faire des choix de chirurgie. Et je me suis dit que ça ne me convenait pas tout à fait. Moi, j'avais envie davantage de contact avec les gens, prolongé. Et je me suis orienté, je voulais être psychiatre. Donc, c'est ce que vous avez fait. Puis, vous allez après vous diriger vers la pédiatrie. Vous allez être professeur de médecine, professeur de pédiatrie et professeur en génétique aussi. On va quitter un petit peu les laboratoires et on va faire un petit bond en avant. Parce que ce qui est intéressant dans votre vie, c'est ça.
Là, on est en fin des années 70. Et vous rejoignez ce club, Perspective et Réalité, alors que vous êtes médecin. Je me suis toujours intéressé à ces choses-là. Et puis, évidemment, les concours en médecine sont tellement prenants que vous êtes obligé de laisser tomber tout ce qui est autour. Et j'ai abandonné. Mais quand j'ai été nommé assistant chef de clinique en 74, ben on y est. Et puis finalement, avec ce club, vous vous apercevez que vous êtes plutôt quelqu'un du centre, finalement, non ? Moi, je suis officiellement, entre guillemets, démocrate chrétien. Voilà. Et donc, je suis là avec, d'un côté, l'initiative, l'entreprise qui me pousse plutôt à droite et la solidarité chrétienne qui me pousse plutôt à gauche. Je suis donc un démocrate chrétien. Et ceci, vous commencez à l'affirmer avec des discours, avec des prises de parole. Ça, c'est une de vos premières prises de parole. Hein. Oui. Écoutez, je crois beaucoup au pouvoir de la parole. Je crois beaucoup au pouvoir de la parole parce que vous ne parlez bien que si vos convictions sont sûres et si vous arrivez à les faire partager. C'est pour ça que j'ai aimé les campagnes électorales. J'ai aimé faire ça. Au début, les gens qui m'ont vu arriver, je disais « Oh là là, le grand professeur, qu'est-ce qu'il va faire ?» etc. Je rentrais dans les commerces, je discutais. J'ai beaucoup aimé le contact avec les gens. J'aime le contact avec les gens d'une façon générale. Parce que vous l'avez dit, vous rentrez en campagne pour de bon, là, en 1989. Et la campagne des législatives, alors on est dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr. La preuve. Ben voilà. Un grand moment. Vous avez été cherché, oui, oh là là. Vous avez été cherché dans les archives, mais c'est vrai que c'est un grand moment. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez beau être prof, vous avez tout ce que vous voulez. Quand vous avez l'écharpe tricolore, vous vous sentez investi. Voilà. Mais tout à l'heure, vous disiez que votre papa, vous ne saviez pas comment il faisait pour aller à la pêche et effectivement faire son boulot de chirurgien. Vous, là aussi, là, vous vous engagez dans une voie, et la politique et la médecine. Vous faisiez des journées de combien d'heures ? Non, alors, je ne dirais pas que j'ai biaisé les choses, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, arrivé à l'Assemblée, j'ai parlé de santé, d'enfants et d'éthique, c'est-à-dire les sujets que je traitais à l'hôpital et à la faculté de médecine. Et alors je participais, bien sûr, ça serait mentir de dire le contraire, mais enfin j'ai approché par une autre voie les problèmes de santé. Et on en a la preuve justement. Avec ça, on est dans l'hémicycle. Ça, c'est mon deuxième livre. Exactement. Et je me suis dit, comment je peux faire pour convaincre mes collègues ? Aller convaincre de quoi ? De faire une loi. De faire une loi sur la bioéthique. Sur la bioéthique. Qu'est-ce que c'est que cette loi sur la bioéthique, en quelques mots ? Oh, c'est d'une simplicité extrême. Alors, c'est bien que vous me posiez cette question, parce qu'il y a une grande confusion dans l'esprit des gens entre l'éthique et la morale. La morale, ce sont des règles. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'exploiteras pas une personne vulnérable, tu n'abuseras pas un enfant, etc. Autrement dit, quand vous vous posez une question dont la réponse est contenue dans les principes moraux, eh bien, vous n'avez pas à vous interroger longtemps. Vous allez suivre le principe moral. Quand la science, tout d'un coup, vous dit qu'on peut faire de l'insémination artificielle, est-ce que vous pensez qu'il y a des principes moraux qui répondent à ça? Quand vous savez que vous pouvez faire un diagnostic prénatal pour savoir si l'enfant est porteur d'une trisomie 21, ce qu'on appelait autrefois le mongolien, est-ce que c'est écrit dans les principes moraux? Non. Autrement dit, l'éthique, elle cherche des réponses appropriées à des situations inédites qui n'obéissent pas à la morale. Et donc, l'éthique, c'est quelque chose que vous faites, que tous les gens font dans leur vie. Un peu comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Quand dans une famille, il y a des avortements à répétition, le couple s'interroge. C'est un questionnement éthique. Quand il y a leurs parents en fin de vie difficile, ils s'interrogent pour savoir ce qu'ils vont faire. C'est de l'éthique. Quand ils apprennent qu'ils attendent un enfant handicapé, on garde pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de l'éthique. La morale ne leur dicte aucune conduite. Et donc, j'ai souhaité,
introduire dans nos règles des références éthiques et suivre le progrès. Parce que pourquoi aujourd'hui on parle d'éthique ? Parce qu'on n'a jamais eu autant de découvertes médicaux et, oui, médicales et scientifiques. Et qu'on est assailli de questions. Et que la médecine va plus vite que la conscience. Et donc il faut la science va plus vite que la conscience. Donc il faut encadrer tout ça. Est-ce que si vous proposez dès 1994, oui, je vous en prie. Oui, Rabelais l'avait dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, l'éthique, c'est pour tenter de mettre en phase la conscience aux nouveautés de la science. C'est ça l'éthique. Et ça va vous réussir, car vous allez vous faire un nom. Et grâce à cela, je ne sais pas si c'est grâce à cela, mais en tout cas, oui, en 2002, ben vous voilà, dans le premier gouvernement Raffarin, ministre de la Santé. Oui. Pendant 2 ans, ça, de 2002 à 2004, oui, vous allez rencontrer beaucoup de succès, hein, mais vous allez surtout rencontrer ceci. D'abord, on regarde, et puis après, vous me direz. Les couloirs des urgences de l'hôpital Saint-Antoine sont déjà submergés de brancards, et il n'est que 9h ce matin. Principalement des personnes âgées déshydratées, déjà malades et que la canicule affaiblit davantage. Une situation catastrophique qui aurait, selon les médecins urgentistes, provoqué la mort de 50 personnes en 4 jours à Paris. La Direction générale de la Santé minimise et évoque, elle, des morts naturelles, ce qui provoque la fureur de ce médecin débordé. Il y a le mot fureur là. Il y a le mot fureur. Alors, naturellement, vous savez, je ne suis pas là pour me cacher, c'est un drame. Je ne dirais pas un drame personnel, car je ne veux pas ramener les 15 000 morts à ma seule personne. Et naturellement, je me suis beaucoup questionné là-dessus. Et encore récemment, je me disais, mais avec ce que tu... Est-ce que, avec ce que tu savais à l'époque, est-ce que tu agirais différemment ? La réponse est non. Et il y a cela quelques explications. En 2003, un peu avant, au printemps, j'avais eu à gérer la première épidémie de coronavirus en France. On l'a parfaitement gérée. Pourquoi ? Parce que, comme aujourd'hui, on nous a dit, on disait le masque, lavez-vous les mains, attention à l'infection, la contagion, c'était médical. Tout le monde a suivi, comme aujourd'hui, les gens commencent à suivre les consignes qu'on leur donne. Mais quand vous dites aux gens ce qu'a fait le ministre des personnes âgées, parce qu'il y avait un ministre des personnes âgées au gouvernement, il a envoyé une lettre à toutes les maisons de retraite, aux EHPAD, etc. Quand il fait chaud, prenez une douche, buvez, évitez de sortir quand il y a du soleil, croisez les volets. Les gens rigolaient en disant « mais c'est pas de la médecine, c'est du bon sens ». Autrement dit, quand on avait évoqué ces sujets-là, la lettre du ministre des personnes âgées, et personne n'y croyait. Et il n'y avait aucun signal d'alarme. Alors maintenant, j'arrive à mon rôle en particulier. J'étais arrivé 2 jours avant dans ma campagne du Var, et donc, non pas à La Réunion, à Saint-Barth ou ailleurs, j'étais à 1h30 de mon ministère. Il y a un aéroport à Toulon hier. J'étais 4 fois par jour en communication avec mon cabinet. Et le mardi, on était sur un problème de légionellose difficile à Montpellier. Mon conseiller santé publique me dit « Bon, ben là, on est embêté pour la légionellose, on n'a pas trouvé, mais il y a peut-être un petit problème aussi, c'est qu'il commence à faire très chaud. » Je lui dis « Oui, il faut que la Direction générale de la Santé fasse un communiqué et dise que... » Il me dit « Oui, je vais les saisir. » Alors, je fais court. Le vendredi, j'ai dû taper du poing pour qu'il y ait un communiqué de la Direction générale de la Santé qui a sorti un communiqué sans signification particulière. Et le samedi, m'a envoyé un SMS disant « la situation est sous contrôle ». Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Quand j'ai bien aimé tout à l'heure, vous avez bien choisi votre système parce que le... L'urgentiste en question, que j'ai vu, revu, dit « il y aura au moins 50 morts en 4 jours ». Au moment où il parle, il y en a déjà 5000. Il y en a 5000. Il dit qu'il y en aura peut-être 50. Ça veut dire que même lui est à des années-lumière de la réalité. C'est un drame, non seulement pour un ministre de la Santé, mais pour un médecin. Et c'est pas parce qu'il y en a 15 000, 2, 4 morts, vous voyez ce qu'on dit sur le coronavirus aujourd'hui, toute mort compte.
Mais honnêtement, j'ai essayé de réfléchir en disant qu'est-ce que tu peux te reprocher ? Je ne sais toujours pas. Donc, j'ai présenté ma démission à Raffarin immédiatement parce que ça, c'est la règle politique. Et il m'a répondu très immédiatement, personne ne te la demande. Et je suis resté un an. C'est pour ça que les gens, et encore il y a 2 jours, un journaliste me disait, mais alors vous avez perdu votre poste de ministre parce que il y a eu la canicule. J'ai dit non, ça c'est une histoire médiatique, vous vous êtes fait des films. Si c'était à cause de la canicule, je serais parti immédiatement. Or j'ai fait un an. Je suis parti pourquoi? Il y a 2 raisons. Mais on va pas le dire maintenant. Pourquoi vous êtes parti? Vous êtes parti, on va en parler dans une autre pièce, si vous le voulez bien. Je vous coupe D'accord. dans votre propos, parce qu'on va comprendre pour quelles raisons vous êtes parti. On y va? Si vous voulez. Allez, venez avec moi. Bon, vous voyez que je suis direct, hein. Piège, Jean-François. Et Oui. comme je le disais, sitôt sorti du gouvernement, on va vous retrouver où? On va vous retrouver ici. Ça, c'est une période exceptionnelle de ma vie. J'ai appris à donner beaucoup plus que ce que j'avais pu faire avant, et j'ai compris qu'en donnant, on pouvait recevoir encore davantage. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour apprendre. J'ai compris la réalité de la précarité, de la pauvreté, de l'isolement, de la solitude. Et j'ai compris notamment qu'on ne pouvait pas faire de médecine sans se préoccuper du côté social. Et c'est un des points que j'ai voulu absolument développer, que je continue désormais à développer. La médecine ne va pas sans le volet social. Parce que là, vous êtes, dès 2004, président de la Croix-Rouge française. Comment vous retrouvez là? C'est Chirac qui vous donne quelque chose pour vous Eh récompenser? bien, pas du tout. C'est ce que c'est encore, c'est les bruits qui ont couru, Jacques Chirac ou Bernadette Chirac, parce qu'on n'est pas nommé à la Croix-Rouge, ni par le président, ni quoi que ce soit. Il y a 4 représentants par département et région qui constituent l'Assemblée générale, et il faut être élu par l'Assemblée générale au conseil d'administration. Première étape. Et quand vous êtes au conseil d'administration, vous pouvez être élu président par le conseil d'administration. 2 votes. Et j'ai été élu le 18 décembre 2004. Période extraordinaire, vous l'avez dit. En plus, vous arrivez juste après le tsunami, donc quelque chose à gérer encore d'énorme. Non, j'arrive une semaine avant Oui, une le semaine avant, tsunami. oui, parce que c'était en décembre. Exactement, oui, c'est vrai que ça se Et chevauchait. d'ailleurs, ça vaut la peine d'être raconté parce que je suis élu le 18 et je me dis, tu connais pas l'humanitaire, mais tu vas prendre le temps d'apprendre. Et le 26 décembre, au matin, à 7h30, allô, président, c'est le directeur des opérations internationales, on a un grave catastrophe naturelle dans le sud-est asiatique, un tsunami. J'ai dit, oui, alors pourquoi vous me téléphonez? Et il me dit, mais parce que je veux savoir si vous autorisez qu'on affrète un avion pour envoyer. J'ai dit, mais bien sûr, pourquoi vous me posez la question? Il me dit, parce qu'on n'a pas l'argent. Et je lui ai dit, et alors qu'est-ce qu'on fait dans des cas pareils? Il me dit, on a lancé un appel à dons et je pense que ce sera couvert. J'ai dit, alors on y va. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé et ça introduit bien la photo que j'ai mise derrière. C'est celle-là. Parce qu'elle signifie beaucoup de choses en fait. Effectivement, vous l'avez dit, on envoie un avion, on va sauver les gens. Sauf que ça va vous faire réfléchir, ça. Et c'est la raison pour laquelle. Allez-y. J'ai compris que nous ne pouvions plus continuer à aider les gens comme on le faisait par le passé, en disant, écoutez, on arrive, vous inquiétez pas, on a les équipements, c'est ce qu'il faut faire, laissez-nous faire. Eh bien, ça, c'est du paternalisme, c'est d'une certaine façon une forme de néocolonialisme, et on ne peut plus agir comme ça. Quand on veut rendre service à des gens, il faut savoir ce qu'ils attendent. Je vais vous raconter une histoire pour bien illustrer. Quand vous avez un camp de réfugiés auquel
vous donnez à manger, vous apportez de l'eau, que vous soignez, ou vous organisez à l'intérieur du camp des écoles, des petits hôpitaux, ou des endroits, en tout cas, où on peut coucher les gens malades. Vous avez les gens des villages autour qui viennent vous voir. Au bout d'un moment, ils nous disent « Mais attendez, c'est pas juste. Eux, ces gens, ils viennent d'ailleurs, ils sont mieux traités que nous. Nous, on a faim, on n'a pas toujours de l'eau, personne pour nous soigner, les enfants font 10 km pour aller à l'école. C'est pas normal, c'est pas juste. » J'ai compris qu'il fallait englober dans les programmes des camps tous les villages qui étaient autour. On apprend dans la vie en permanence. Et vous avez enclenché cette politique et votre successeur, il continue sur ce chemin, j'espère. Oui, oui. On va changer d'écran, si vous le voulez bien. Parce que non, vous restez là, à ma place. Ah bon, d'accord. Vous là. Ça a été une partie de votre vie après ministre. Et puis, il y a la partie... Avant, il y a elle, déjà. Heureusement qu'elle est là enfin, parce qu'elle m'a accompagné tout le long. Geneviève. Ça fait 50 ans. Hein, 52, même. 52 mariée ans. Et connue depuis 10 ans avant. Avec votre uniforme de l'Académie des sciences morales. Et politique. Et politique, depuis 2015. Oui. Ça vous prend un jour par semaine. Oui. Mais c'est... un travail intellectuel passionnant, j'imagine, hein, au milieu de... Oui, parce que vous savez, j'aime la médecine, et si c'était à refaire, je referais la médecine. Mais quand des médecins sont ensemble, ils parlent de médecine. Et justement, je pense que la médecine n'est pas tout. Or, à l'Académie des sciences morales et politiques, il y a des philosophes, des moralistes, des sociologues, des historiens, des économistes, des juristes. On prend la vie par tous les bouts. Et il y a ça, vous l'avez dit... Depuis 1997, vous faites partie de l'Académie de médecine. Oui. Mais depuis cette année, depuis 2018, vous êtes président de l'Académie de médecine. Vous voyez que le costume n'est pas tout à fait le même. Celui-ci est amarante. Mais si j'ai mis cette photo, c'est parce que, au titre de ces deux académies, vous prenez la parole désormais. On vous voit dans les médias pour parler notamment de ça. Avec les nouvelles lois sur la PMA, qui ont fait l'actualité ces derniers mois, vous avez pris beaucoup la parole. La loi bioéthique est détournée. Oui, parce que je pense, alors je parle prudemment, parce que je pense que les médecins sont impliqués, mais ne sont pas décideurs. Je pense que la loi qui autorise ou qui se prépare à autoriser l'insémination artificielle, la procréation pour des couples de femmes ou des femmes seules, n'est pas une loi de bioéthique, c'est une loi sociétale. Je vous ai dit tout à l'heure que la bioéthique était là pour répondre à des progrès scientifiques récents. Ça fait 40 ans qu'on insémine, 30 ans qu'il y a des fécondations in vitro. C'est une loi sociétale qui s'inscrit dans le fil du PACS, du mariage pour tous. Et donc, il n'y a pas de problème particulier de ce point de vue-là. Nous, médecins, on n'a pas notre mot à dire. En revanche... Pourquoi on en a tant parlé de notre position? C'est qu'on a dit, mais attention, dans cette histoire, il y a un enfant en cause. Cet enfant, on va le concevoir délibérément sans père. Est-ce qu'on est sûr que c'est sans conséquence sur son épanouissement psychologique, sur son devenir? Et c'est pas du tout une position homophobe qu'on a pu le dire. D'ailleurs, c'est pour les couples de femmes et pour les femmes seules aussi. Donc c'est pas du tout la question. Nous, notre préoccupation, c'est de dire, attention... Le principe de précaution a été utilisé bien souvent pour des dangers moindres. D'accord. Écran suivant. J'ai mis ça. Quelques-uns des 26 ouvrages que vous avez écrits, et notamment le dernier là, que j'ai, Le Grand Bouleversement. Comment serons-nous soignés demain? En un mot, on sera soigné comment demain? Mieux ou moins bien? On aura davantage de techniques pour être mieux soigné comme hier, c'est-à-dire avec humanité. Et je montre quand même ce livre, parce que si on veut savoir un petit peu plus sur votre famille, Jean-François Mathé, Le Sage d'Asco Piccolo, votre grand-père, c'est un super livre ça. Allez, je pose ça. Écran suivant, donc, si vous le voulez bien. Et on va finir avec celui-ci. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en cette même pièce, il y a quelques mois, on a reçu Xavier Emmanuelli, qui a été lui aussi... ministre de la Santé, et avec lui aussi, on a terminé sur cette photo. –
Je pense que nous avons besoin d'autorité morale dans notre monde. Je ne dis pas catholique, je ne dis pas protestant, ni orthodoxe, ni musulman, ni juif. À l'Académie des sciences morales et politiques, il y a le grand rabbin. Il nous a fait récemment une belle conférence sur la transmission du pouvoir dans la Bible. On a besoin de références morales, et je pense que le pape est une référence morale. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est même quand on est un homme de science, on a besoin de référencement. Mais bien entendu, ouais. Bien entendu. Ce n'est pas incompatible. Mais bien entendu que non. Je pense que la personne humaine est un corps et un esprit qui échangent en permanence. Et on ne peut pas considérer l'un sans considérer l'autre. D'ailleurs, les gens qui nous regardent savent bien que quand ils ont mal, une douleur physique, ils n'ont pas le moral. Et que quand ils n'ont pas le moral, ils se sentent fatigués, ils ne sont pas bien. Et donc, il y a un lien entre le corps et l'esprit. Mais ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'il vous va, ce mot de la fin? En tout cas, il va. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander, c'est aux personnes qui vont nous voir. Ça leur va. Venez à côté de moi. Il y a un geste pour finir, vous savez, dans cette émission. C'est un petit selfie. Vous souriez. Merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment. Bonne continuation à vous. Vous partez vite dans le Var rejoindre votre épouse, absolument. J'imagine. Hein, jamais très loin du Var. Hein. Jamais. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.